voyez de l'amélioration dans l'air, Miss Bailey, mais vous devriez vraiment faire un effort pour améliorer votre revers. Vous finirez par avoir une crampe. Pourquoi j'ai demandé à avoir le meilleur entraîneur de Californie, Monsieur Garrett. Houston, ça fait au moins 15 jours qu'on moisit ici. En continuant à ce rythme, mon bras droit va devenir deux fois plus gros que le gauche. Finissons-en, s'il te plaît. Si tu dois bien savoir qu'on ne peut pas attraper l'un des plus fameux voleurs de diamants du monde juste en claquant des doigts. Ouais, mais j'espère que la sécurité sociale remboursera ma douleur d'épaule. Oh, c'est sûr. Bienvenue au concours de beauté. Pas mal ce mec, ouais. Oh, Sandy. Oh, mais comment vas-tu? Nicky. Oh, tu as l'air en pleine forme. Va alors, Bonnie. Oh, Sandy, comment tu vas? Hey, Gilda. Comment allez-vous? C'est vraiment formidable de venir ici. Oh, oui, et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Vous êtes vraiment au club numéro un. Notre base d'opération pour la promotion de nos hôtels et de nos magazines. Le club suivant, qui est déjà en construction, se trouvera à Manny. Et avec un peu de chance, il sera prêt pour l'année prochaine. Je ne sais pas ce que vous allez décider de faire, les filles, mais je m'inscris tout de suite pour l'année prochaine. Oh, moi, je... Réservé aux membres de la sécurité. Téléphone à l'inspecteur de l'hôtel et dis-lui que notre homme se dirige tout droit dans le piège. À l'intérieur de ces enveloppes, vous trouverez les horaires du concours ainsi que les clés de vos chambres. Et s'il vous plaît, ne passez pas trop vite devant la caméra, parce que ce défilé sera retransmis par toutes les télévisions du monde. C'est une chose extraordinaire. Et vous, mesdemoiselles, qui êtes venues participer à ce concours prestigieux, vous représentez ce que toutes les femmes au monde désirent, la beauté et l'amour. Arrête, Homon. Je t'ai dit de t'arrêter, Homon. Reste allongé. Chef Powers, voici Henry Aumont. Le grand voleur de diamants est enfin coincé. Regardez-moi cette collection de bijoux. Ah, au fait, le commissaire Hoyt et le chef de la police arrivent tout de suite. Bien, emmenez-le dans le bureau jusqu'à ce que la police soit ici. Bon boulot, Houston. Mais je persiste à dire que Nicky est en train de gaspiller son argent en vous ayant engagé. J'aurais pu attraper Aumont si j'avais eu de la chance. Ah, mais j'en doute pas une seconde. Comment c'est-il que vous saviez qu'Aumont est ici aujourd'hui? Ah ben ça c'est très simple, voyez-vous, CJ devait partir en vacances. Quoi? Oui, des super vacances à Acapulco. Et si Aumont n'avait pas volé ses bijoux, ça aurait fichu mes vacances en l'air. Ah, ça aurait été dommage, vous ne trouvez pas? Oui, voilà pourquoi il nous fallait résoudre cela au plus vite. Oui, Madame Chapman était supposée rester en ville avec sa collection de bijoux pendant encore un bon mois. Et Henry Aumont savait cela, il attendait le moment opportun. La nuit dernière, au cours d'un dîner, Madame Chapman a décidé de retourner dès ce soir à New York avec ses diamants. C'est ce que j'avais dit à Madame Chapman de raconter, comme ça j'étais sûr qu'Aumont agirait tout de suite. Échec et mat en faveur de Monsieur Houston. Adios, señorita. Gracias, señor. Dans deux semaines. CJ. Oh, excuse-moi. Non, il n'y a pas de quoi. Au revoir.
Marcel. Écoutez, je voulais venir m'excuser de vous avoir bousculé si violemment aujourd'hui et j'espère que vous n'avez rien... Non, ça va, je vais bien. Juste un peu secoué. Les gens qui mitraillent de partout me dépriment. Eh oui. Je m'appelle Sandy, Sandy Marlowe. Sandy, mon nom à moi c'est Matt Houston. Vous êtes quelqu'un qui laisse une forte impression sur les gens, monsieur Houston. C'est vrai, mais au risque de vous déplaire, il faut que je vous fasse un aveu. Je ne suis pas un joueur de tennis, vous voyez, il se trouve que je suis un détective privé. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Ah non? Non, pas du tout, je suis réellement un détective privé. Pourquoi? Vous auriez besoin de mes services? Eh bien, cela a été une journée assez mouvementée. Monsieur Houston, est-ce que vous pourriez être disponible afin que nous dînions ensemble ce soir? J'aimerais vous parler d'affaires qui me semblent très importantes. C'est moi qui vous invite. Vous êtes sûr que vous ne voulez que parler d'affaires? Pour l'instant, après, on verra. Oui, eh bien, je viens de terminer une enquête qui a duré beaucoup trop longtemps. Alors là, j'ai pris du retard sur le programme de la journée. Oui, je vois que je vous ai fait perdre votre temps. Une minute, ne partez pas comme ça, Sandy. Écoutez, ne le prenez pas mal. Laissez-moi au moins finir de vous parler. C'est vrai que pour moi, ça a été très difficile, voire très dangereux, mais j'aimerais néanmoins que l'on dîne ensemble ce soir et vous pourrez me parler de tout ce que vous voulez, même si ça doit me causer une indigestion. Alors, est-ce que c'est d'accord? Oui, merci. À 20h? Ben, ce sera parfait. Merci beaucoup. Alors, que lui est-il arrivé quand elle était à New York? À Janice? Eh bien, elle est allée raconter à des tas de gens qu'il y avait un maniaque qui tournait autour des filles. Mais alors, elle participait également à un concours? Oui, vous y êtes presque. Janice portait le titre de Miss Janvier et un jour, elle a décidé de se retirer. Mais alors? C'est-à-dire que nous étions en train de finir une tournée de promotion afin de faire connaître le concours. Et il paraît que c'est à ce moment-là que le maniaque aurait frappé. C'est à New York et en plus dans notre hôtel qu'il aurait commis son crime. Sandy, vous n'avez cessé de vous exprimer au conditionnel. Ça se serait passé, il paraît que... Est-ce que ça veut dire que vous mettez en doute la parole de Janice? Eh bien... oui et non. Oui, je sais qu'elle a une très forte imagination. Et parfois même, elle prenait du hashish, du LSD, du PCP. Mais quelque chose m'intrigue. Je me demande encore si quelqu'un l'a réellement agressée ou pas. On dirait pourtant que vous avez peur, n'est-ce pas? Et vous pensez que je suis la seule? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a des tas d'autres dans mon cas. Et j'ai même parlé avec la plupart des filles et elles sont toutes d'accord pour vous engager. Faites ça pour nous. Nous vous paierons pour assurer notre protection. Bon, vous voulez attraper un soi-disant maniaque si jamais il en existe un? Ah oui, c'est bien ça, oui. Est-ce que vous ne pourriez pas me débarrasser de cet individu qui se trouve là-bas? Il n'a pas cessé de me suivre, quelle que soit la ville où l'on faisait la promotion du concours. Et vous avez peur qu'il vous kidnappe? Je crois qu'il s'appelle Dumbrill. Il prétend être journaliste. Excusez-moi. Monsieur Dumbrill! Monsieur Dumbrill, attendez une minute! Hey, monsieur Dumbrill! Ouais. Vous voyez ce que je vous disais? Ce gars est dingue. Il est vraiment bizarre et quel que soit l'endroit où je vais, je me retrouve toujours nez à nez avec lui. C'est un vrai cauchemar. Sandy, j'aimerais savoir si quelqu'un d'autre vous a suivi pendant que le concours se déplaçait. Je ne saurais vous répondre. Vous croyez que cela a un rapport avec le concours? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous occuper de cette affaire. Il nous faudrait en premier lieu déterminer si affaire il y a. Et d'après ce que vous m'avez déjà dit, il n'y a qu'une seule personne qui peut nous mener vers ce maniaque. Mais c'est Janice. Exact. Maintenant, je vais aller parler avec le directeur du concours. Peut-être pourra-t-il m'aider à la retrouver. Vous savez, je me sens déjà beaucoup mieux. Mets la main dans les cheveux, là, comme ça, oui, c'est parfait, Gina. Maintenant, tu bouges plus, ne bouge plus, bien, parfait, génial. Souris, regarde, doigt dans l'appareil, doigt dans l'appareil, voilà, parfait. Là, non? Oui, casé, arrange-moi ces cheveux, s'il te plaît. Tu sais, tu es formidable, tu es merveilleuse, Gina. On fait un très bon travail, je suis très content. Écoutez, est-ce que oui ou non, Houston va s'occuper de notre protection? Val, je t'ai déjà dit qu'il devait d'abord retrouver Janice et lui poser quelques questions pour savoir si oui ou non elle dit la vérité.
Merci, Jay. Je te remercie beaucoup d'être venu. Et crois bien que je suis désolé pour tes vacances. Vous pouvez attendre un petit moment? Merci. Quand j'ai entendu qu'on appelait mon nom à l'aéroport, j'ai tout de suite eu le sentiment bizarre que je pouvais m'asseoir sur mes vacances. En fait, c'est quoi cette histoire de fille disparue? Peut-être ne s'agit-il de rien, CJ, mais le problème, c'est que cette fille semble s'être totalement volatilisée. J'ai vraiment un mal de chien à la retrouver. Pourtant, ça devrait pas être le cas. Qu'est-ce que je peux faire, hein? Mais voilà, il faudrait que tu retournes immédiatement au bureau et que tu me fasses une liste de toutes les personnes qui étaient concernées par le concours qui a eu lieu à New York, et cela avant qu'il n'arrive au Southern California Club. Je sais qu'ils étaient tous descendus à l'hôtel du duc de Barrington. C'est reparti. Est-ce que je pourrais te joindre? Je serai ici, puis j'en profiterai pour aller faire une petite visite au directeur afin qu'il m'aide à constituer notre liste. Au revoir, Matt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À mon très cher époux. Et que son nouveau spectacle de Broadway atteigne une gloire inégalée pour l'éternité. Tu vas déjà te mettre à boire comme un trou à cette heure-ci? C'est beaucoup moins dangereux que cette saloperie que tu te fourres dans le nez. Dis-moi, j'espère que tu te rappelles qui t'entretient. Est-ce que le journal a acheté ton article? Ah, ça oui. Oui, ils l'ont imprimé. Sur la dernière page. C'est comme si j'étais fini. Écoute, Orson, ça va faire un bail que tu n'as plus rien fait d'extraordinaire. Peut-être les journaux ont-ils pensé que tu n'étais plus bon qu'à écrire des histoires pour enfants. Et pourquoi? Parce que je voulais la première page pour un concours de beauté. Mais réfléchis. Est-ce qu'une fille qui est totalement inconnue peut arriver comme ça et gagner le concours de beauté? Elle le peut. Gilda est une fille qui est très naturelle. Elle a quelque chose de spécial. C'est la nouvelle Barbara Streisand. Tu peux me croire. Elle a toutes les qualités. Bonjour, vous êtes Sandy Marlowe? Je m'appelle Lady Dumbrill. Écoutez, je sais très bien qui vous êtes. Alors laissez-moi tranquille. Vous ne pouvez pas traiter un membre de la presse de cette façon. De la presse? Vous n'êtes qu'un obsédé sexuel qui traîne dans les concours de beauté. Mademoiselle, figurez-vous que je suis photographe et journaliste. Mais jamais aucun de vos articles n'a été publié. Alors laissez-moi seule, sinon j'appelle la police. Ce ne sera pas nécessaire. Je crois que cette jeune femme vous a demandé de partir. Merci beaucoup. Non, c'est un homme d'une grande classe, il est parti de son plein gré. Maintenant, écoutez, il se trouve que j'ai quelques amis dans la police qui sont en train de faire des recherches pour savoir qui il est exactement, alors ne vous faites pas de soucis. Est-ce que vous avez retrouvé Janice? Non, pas encore. Elle a quitté New York il y a à peu près 2 jours et sans laisser de message à personne. Depuis, nous avons perdu sa trace. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons la retrouver. Vous savez, Matt, quand vous êtes près de moi, je me sens rassurée. Ok, ma chérie, c'est tout, merci. Excuse-moi, Sandy. Sandy, c'est à toi, tu viens? C'est l'heure des photos. Est-ce qu'on ira boire un verre ensemble tout à l'heure? Eh bien, venez me retrouver dans une heure. Attendez. Plutôt une demi-heure. Thank you.
Sandy? Tout ce que j'ai à dire, c'est que si elle a été tuée, ce n'est pas de ma faute. Si cette fille pensait que sa vie était en danger, elle aurait dû me le dire. Au moins, je l'aurais protégée. Qui êtes-vous? Je suis Power, chef de la sécurité. Lieutenant Hoyt, je veux une liste complète de tous les clients de cet hôtel et également de tous les employés. Eh bien, je ne sais pas si je pourrais vous faire ça immédiatement. Je suis très occupé, ça risque de prendre 2 heures. Non, je ne veux pas que ça prenne des heures et des heures. Je ne veux pas attendre pendant 2 heures. La jeune femme qui est morte n'a plus 2 heures. Je veux cette liste très vite. 20 minutes au maximum. C'est bien compris? Oui, monsieur. Quel monde de merde. Des graffitis au rouge à lèvres avec une fille assassinée. Et qu'est-ce que tu fais ici, Houston? Eh bien, j'essaie toujours d'être d'un quelconque secours, surtout quand je vois une de mes clientes qu'on emporte dans un sac. Cette jeune femme était une de tes clientes? Oui. C'est moi qu'elle était venue voir au sujet d'une histoire de maniaque qui semblait lui en vouloir. Laissez-moi passer! Laissez-moi passer! Laissez-nous passer! Laissez-moi donc passer! Oh. Alors, c'est vrai? Sandy a été assassinée. Oui, madame, mais ne vous inquiétez pas, je m'occupe de l'affaire. Mais pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu? Excusez-moi, madame Sheffield. Voici la personne qui dirige toute l'affaire, commissaire Michael Hoyt. Madame Sheffield, Eric Jason. La raison pour laquelle nous ne vous avons pas prévenu, c'est que vous étiez en train de donner une soirée à bord de votre yacht. Vous n'avez jamais entendu parler de la radio? Oh, j'en ai bien entendu parler. Le problème est le suivant, c'est qu'avant qu'une radio puisse recevoir un message, il faudrait peut-être tourner le bouton. Je vais vérifier ça tout de suite. Je fais virer le capitaine si jamais il a oublié d'allumer le récepteur radio. Tout notre travail risque d'être compromis. Nous voilà avec un meurtre sur les bras, 3 jours du concours, et en plus nous perdons notre Miss Février. Elle n'a jamais été votre Miss Février. Cette fille ne vous a jamais appartenu. Elle s'appelait Sandy Marlowe, c'était un être humain. Et elle valait beaucoup mieux que tous vos concours et vos programmes de télévision. Eric. Eric, s'il te plaît, j'aimerais retourner dans ma chambre. Eric. Oui, bien sûr. J'étais en train de réfléchir. J'essaie vraiment de comprendre ce qui est arrivé. C'était pas de ta faute. Cette fille avait confiance en moi. Et tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu crois? Elle avait peur, mais j'aimerais bien savoir de qui. Houston, au fait, j'ai oublié de te dire que sa meilleure amie attend dans ton bureau. Elle va peut-être nous en apprendre plus. J'arrive dans une minute. D'accord. Sandy n'a jamais réellement voulu l'admettre, mais elle détestait les concours de beauté. Alors pourquoi ne s'est-elle pas retirée de la course, surtout après que Janice lui ait parlé du maniaque et que celle-ci ait fini par abandonner? C'est pas facile. La gloire, l'argent. La personne qui gagne à ce concours reçoit le prix incroyable de 100 000 dollars. Ah, c'est ce qu'on peut appeler une motivation. Ah oui. Mais maintenant, nous avons plusieurs possibilités. Par exemple, la première, c'est que la fille qui a abandonné en plein milieu du concours était dans le vrai. Et qu'il y avait vraiment une espèce de fou qui se promenait là-bas. Ou alors, il y a quelqu'un qui profite de cette histoire de maniaque pour tuer les filles qui l'empêcheraient de remporter le prix. Oui. Écoutez-moi bien. Une des raisons pour lesquelles j'ai voulu vous voir, c'est que j'ai des choses précises à vous demander. Mm-hmm. Bon. Peut-on assurer avec certitude que Sandy était à peu près sûre de gagner? Tout le monde savait plus ou moins que le concours ne se déroulait qu'entre 2 filles. Sandy et Gilda Rivera. Effectivement, c'est une concurrente redoutable. C'est une très jolie fille. Et elle a aussi beaucoup de talent. Elle a déjà eu le premier rôle dans 2 films et elle a même signé un contrat pour jouer dans le plus grand théâtre de Broadway. Houston, Eric Jason vous demande au téléphone. Merci, Chris.
Matt Houston. Nikki voudrait que vous veniez la rencontrer à son hôtel. Elle dit que c'est très important et que c'est un rapport avec le meurtre. Bon, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, Val, mais je dois partir immédiatement. Est-ce qu'il vous serait possible de rester encore un peu et de nous aider afin que CG puisse vous poser encore quelques questions? Val, vous comprendrez que nous avons besoin de parler à tous les gens qui sont impliqués dans ce concours. Bien sûr. Je vous remercie. Je vous remercie d'être venu aussi rapidement, Monsieur Houston. En premier lieu, j'aimerais vous faire des excuses sur la manière dont Eric s'est conduit tout à l'heure. Il faut dire que c'est en partie de ma faute. Je crois bien que j'ai dû le pousser à bout. Oh, vous n'avez pas besoin de vous excuser. Par contre, il a mentionné que vous vouliez me voir à propos du meurtre de Sandy. Oui. Vous savez, Houston, vous et moi, nous nous ressemblons beaucoup. Nous aimons l'aventure. Nous nous sommes bâtis un empire à la seule force de nos poignets. Personne ne nous a jamais aidés. Il y a pourtant une chose que je n'arrive pas à saisir. Voilà, pourquoi avez-vous décidé de mettre de côté vos biens pour devenir détective? J'ai tout simplement décidé de changer mon existence. J'ai soudainement réalisé qu'il y avait des choses beaucoup plus importantes que l'argent. Eh bien, moi aussi, je pense qu'il est temps de regarder les priorités dans ma vie. Je commence à être fatiguée. Mais je dois vous avouer que mes concours et leur retransmission à la télé et mes hôtels, eh bien, tout cela me semblait terriblement important. Mais il y a eu ce Telex. Il vous est adressé, et bien que vous fassiez officiellement une enquête, eh bien, mon manager a tenu absolument à ce que je le lise avant vous. Il concerne Janice Field. Vous savez, la fille qui prétendait qu'il y avait un maniaque qui voulait tuer les 12 filles qui participaient au concours et qui s'était retirée. Elle est morte. Elle n'a même jamais quitté New York. Son corps a été retrouvé dans la cave par les gardiens de l'hôtel. Ça faisait 2 jours qu'il était là. Elle a été poignardée. Sauvagement. Exactement comme Sandy. Et au fait, Janice était bien Miss Janvier. Et Sandy était Miss Février. Cela veut dire que le tueur procède de façon chronologique. Et qui est Miss Mars? Miss Mars, Gilda Rivera. Dans quelle chambre est-elle? Oh, je n'arrive pas à m'en souvenir. Vous devez vous en souvenir, faites un effort. 602. 602. Je désire me retirer de cette compétition. Bibi, s'il te plaît, tu vas la fermer, oui? Non, je ne veux pas la fermer. Je veux quitter ce concours tout de suite et vivante.
Et vous, les filles, vous feriez bien d'en faire autant si vous voulez rester en vie. Moi, je fais comme Debbie. Cette histoire est en train d'aller... S'il vous plaît, j'aimerais avoir votre attention. Écoutez-moi bien. Il y a une chose très dangereuse que vous pourriez faire, c'est de paniquer. Mais il y a encore plus dangereux que ça. C'est d'agir complètement au hasard en rentrant chacune de votre côté chez vous sans être protégée. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Le fait que Janice Field soit morte avant le début du concours. Elle aussi avait vraiment décidé de se retirer et de rentrer chez elle, mais ça n'a pas empêché le tueur de la garder sur sa liste. Là, je crois bien que vous avez raison. Oui, mais sauf votre respect, Monsieur Houston, vous pouvez vous tromper. Val, vous ne semblez pas comprendre. Ça n'a aucune importance pour le tueur que vous soyez ici, chez vous ou ailleurs. D'abord, il y a ce concours. En plus, vous êtes tout apparu dans les divers magazines de beauté qui appartiennent à Nikki. Alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que l'affaire de meurtre n'a rien à voir avec le concours et que de toute façon, ce gars-là va essayer de descendre toutes les filles qui restent. Bien, c'est malheureusement quelque chose d'envisageable. Qu'est-ce que vous recommandez, Houston? Je pense qu'il faut que vous restiez ici. Gardez votre calme, ne restez pas seul, déplacez-vous par deux et débrouillez-vous pour toujours être avec quelqu'un partout où vous allez. Bon, ça devrait marcher. Le commissaire Hoyt est au téléphone en ce moment. Il a ordonné que des hommes veillent sur vous 24 heures sur 24. Ah ouais, ouais, mais on n'a toujours aucune garantie, n'est-ce pas? Ce que vous demandez est difficile à obtenir. Mais rappelez-vous qu'il y a des policiers qui veilleront sur vous constamment. Et nous avons aussi notre propre jugement. Alors avec tout ça, je crois bien qu'on peut y arriver. Alors, tu es prête, Tiji? Ah, tu sais, il n'est encore que 5 heures du matin. Je me demande si je vais pas aller me recoucher. Hein. Voici les personnages principaux qui étaient à New York quand Janice a été tuée. Voici d'abord Nikki Sheffield. Elle commença comme actrice, une bonne actrice d'ailleurs. Ensuite, elle mit sur pied une gigantesque société afin de pouvoir gérer tous ses hôtels et ses clubs. Et sans mentionner tous les concours de beauté et tous les magazines. Mais elle s'est malheureusement retrouvée face au fisc qui lui réclame 3 millions de dollars. Et je peux t'affirmer que son empire est en grand danger. Mais elle peut encore s'en tirer s'il y a des millions de personnes qui regardent le concours à la télévision. Tu veux dire la publicité? Nikki recevra un pourcentage assez élevé de la part des firmes qui font de la publicité pendant la diffusion du concours de beauté. CJ, c'est totalement invraisemblable, cette histoire. Tuer trois filles comme ça, juste pour amener plus de monde à regarder le concours à la télévision, c'est de la démence. Et voici Eric Jason, le photographe. Et ce gars-là est aussi le bras droit de Nikki Sheffield. Et d'après ce que j'ai vu et entendu jusque-là, je suis sûr que si Nikki le lui demandait, il... tuerait pour elle. Ouais. Mm-hmm. Qui est le suivant? Orson et Dina Love. Lui est producteur de revue à Broadway et l'autre, c'est son ivrogne d'épouse. Maintenant, cet homme que tu vois là voulait faire de Gilda Rivera la nouvelle star de son dernier show de Broadway. Pour moi, ce gars-là serait plutôt une victime qu'un suspect, vu qu'il a perdu celle qui allait être la star de son futur spectacle de Broadway. Peut-être. Et voilà le plus beau, Lenny Dumbrill. Il ne cesse d'aller assister à des concours de beauté en prétendant qu'il est journaliste, mais c'est plutôt un groupie. Ça doit lui coûter cher, ce petit jeu. Comment fait-il? Mais une fois par mois, ses parents lui envoient un chèque assez élevé afin de ne plus jamais le revoir. Submergé d'amour par ses parents. C'est un type très, très brillant, quotient intellectuel très élevé, mais malheureusement, c'est un type bizarre, paumé. Et que fait-il d'autre à part venir espionner les jolies filles et essayer de leur faire un numéro de charme? Maintenant, ouvre bien grand tes yeux, car je t'ai laissé ça pour la fin. C'est juteux. J'ai appris ça il y a environ une demi-heure. Ce type-là, en plus d'être un drôle de mec qui vient mater les filles, est aussi un fervent adorateur de Satan. Regarde. C'est un adepte de Charles Manson. Est-ce que tu es sûr de ce que tu avances? Regarde ça. Est-ce que ce visage te dit quelque chose? Ouais, ça pourrait être Dumbrill. Ah, mais comment tu peux être aussi sceptique? Regarde! C'est Dumbrill. CJ, appelle Hoyt tout de suite. Hé, Matt, mais où est-ce que tu vas? Matt, fais très attention. Il a passé des années chez les psychiatres.
Tu as foiré, Houston. Tu as vraiment foiré. Maintenant, il va falloir trimer comme des esclaves, si on veut le rattraper. Et alors, tout ce que tu as à faire, c'est de réunir assez de preuves contre ce gars-là. Est-ce que tu en as, Hoyt? Ah oui, j'ai un couteau recouvert des empreintes de Lenny Dumbrill. Je l'ai trouvé à New York, dans l'hôtel même où Janice Field avait passé la nuit. Le couteau entièrement taché de sang. Une preuve parfaite. Ouais, bon, ben, j'ai tout fait échouer. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de le retrouver le plus vite possible avant qu'il ne frappe à nouveau. Ok les gars, nous avons bouclé tout le secteur et notre suspect devrait être coincé dans les parages. Harrison, je veux que les hommes aillent fouiller dans toutes les caves de l'hôtel, dépêchez-vous. Que fais-tu là, Houston? Retourne dans ta chambre à l'hôtel. Non, Hoyt, moi je viens avec toi. Et il n'y a rien que tu puisses faire afin de m'en empêcher. Je suis parfaitement entraîné pour ce genre de choses, et de plus, c'est ma faute si le meurtrier court toujours. Mais le plus important pour moi, c'est que je ne désire pas passer le reste de ma vie en ayant encore un meurtre sur la conscience. De plus, tu as déjà renvoyé tous tes hommes. Et si tu y vas tout seul, il n'y aura personne pour t'aider. Alors, il me semble que tu vas avoir besoin de moi. Tiens, on dirait que nous sommes arrivés au bon moment. Au bon moment, pourquoi? La chasse à l'homme. Lieutenant, moi et mes hommes, nous sommes à votre disposition. Powers, je veux que vous et vos hommes retourniez exactement d'où vous venez et que vous nous fichiez la paix. Mais vous pouvez faire confiance à ces hommes. Oui, on dirait qu'ils veulent lyncher leurs semblables. D'après ce que j'ai pu voir jusqu'ici, les gars, on dirait que vous avez vraiment besoin d'aide. Rentrez à la maison, Powers. Cette affaire ne vous concerne pas. Je ne suis pas du tout de cet avis. Tout cela dure depuis trop longtemps à présent. Et si trois de mes filles n'avaient pas été assassinées, commissaire, eh bien, je ne douterais pas de vos capacités. Nicky, écoutez, je vous recommande vivement de faire exactement ce que le commissaire Hoyt vient de dire. Il faut absolument arrêter ce gars-là. Ok, maintenant, écoutez, je n'ai pas de temps à perdre en palabres mondains. Mais si l'un d'entre vous, je répète, n'importe qui d'entre vous se permettait d'interférer de quelque manière que ce soit avec la police, je n'hésiterai pas à le mettre derrière les barreaux. Bonjour, chez vous. Powers, allez-y. Oui, oui, madame, et ne vous faites aucun souci. Allons-y. Pas trop grave, ça ira. Et un grand merci à ces espèces idiots. Emmenez-le à l'hôpital tout de suite. Désarmez-moi ces imbéciles et emmenez-les immédiatement au poste. Vous avez commis un meurtre. Ah, une minute, lieutenant. C'est lui qui a tiré le premier et nous n'avons fait que riposter. Écoutez, Powers, il n'avait aucune arme sur lui. Il y a quelqu'un qui a tiré pourtant. Et alors? Nous avons le tueur? Ah, ouais. J'ai deux mots à vous dire. À tout à l'heure, Houston. Sûr de ce que vous avancez? Je vous remercie beaucoup. CJ, je viens de voir la révélation du siècle. Je crois enfin savoir qui est le meurtrier. Ah, c'est Dumbrill, là. Ils ont marqué dans les journaux que t'étais un héros. Eh bien, il se pourrait fortement que les journaux se soient trompés, comme se sont trompés les gens qui ont affirmé que Lenny Dumbrill avait tiré en premier alors qu'il n'avait pas d'arme sur lui. Et alors, c'est un endroit où il y a plein de buissons. La police va finir par retrouver son revolver. Bien sûr que oui. Aussi vrai que le véritable assassin en déposera un. Houston, à quoi tu es en train de penser?
CG, tout ça, c'est de l'amateurisme. Tout est calculé. On choisit Lenny Dumbrill comme bouc émissaire, on lui fait porter le chapeau et tout le monde se fait berner. C'est un solitaire, un adorateur de Satan, bref, toute la panoplie du pauvre type. Il allait au concours afin de pouvoir suivre des filles. Tu crois qu'on a essayé de l'avoir? J'en suis absolument certain. Regarde, combien il serait facile de prendre les empreintes digitales de Lenny et de les remettre sur le couteau. De même, il est également possible que quelqu'un ait placé une pellicule qui contenait des photos du corps de Sandy dans l'appareil de Lenny. Est-ce que tu me suis? J'en conclurai que quelqu'un veut faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Ça me paraît très intéressant. Continue, s'il te plaît. CG, ce coup de téléphone a totalement confirmé ce dont je commençais à me douter. Imagine-toi que j'ai fait mes recherches là où le tueur s'y attendait le moins. J'ai tout simplement fouillé dans le passé des trois filles qui sont mortes. Et alors? Eh bien, disons que la toute dernière victime, Gilda Rivera, avait des activités quelque peu illégales et bizarroïdes. Cette charmante demoiselle faisait une fortune en pratiquant un art très ancien appelé chantage. Et elle s'y prenait d'une façon particulière en attirant des producteurs dans sa chambre où était déjà caché un photographe. Et ensuite, elle utilisait les photos pour les faire chanter de manière à obtenir un rôle dans leur prochain film. C'est une fille qui avait beaucoup d'ambition. Elle voulait devenir une vraie star. C'est alors qu'elle s'est concentrée sur Orson Love. Elle savait qu'il s'occupait d'une grande revue à Broadway. Elle a donc menacé de ruiner son mariage s'il ne la faisait pas jouer. Mais Love savait que jamais elle n'irait jusqu'à Broadway. Parce qu'avant cela, il l'aurait déjà tuée. Alors Love a tué Gilda pour préserver son mariage? Et les 20 millions de dollars de sa femme. Mais alors qui a tué Sandy et Janice? Un homme qui aimerait énormément que le monde entier croie qu'il y a un maniaque dans la nature. On vous demande au téléphone, monsieur. Merci beaucoup. Allô, ici Orson Love. Bonjour, je suis une amie de Gilda. Qui ça? Je suis une charmante personne qui possède des négatifs où vous figurez en compagnie de Gilda. On tombe sur des choses très intéressantes ces jours-ci. Je me rends compte à quel point vous tenez à ces négatifs, monsieur Love. Mais comme je suis gentille, je vous les laisse pour une petite somme. Je vous les laisse pour 10 000 dollars, mais parce que c'est vous. 10 000 dollars? J'ai pas l'habitude d'avoir une telle somme d'argent sur moi. C'est bien pour ça qu'on a inventé les banques, monsieur Love. Soyez au funiculaire dans une heure avec la somme en liquide. Ah, j'ai oublié de vous dire le plus important, je serai habillée tout en blanc. J'aimerais savoir qui vous êtes. Comment vous êtes entré en possession de ces négatifs? Passez le fric en premier. Les négatifs. Jette ton arme, là! Houston! Comment vous saviez que c'était moi? À vrai dire, je n'étais pas sûr avant que vous veniez à ce rendez-vous. Hey Love, pourquoi est-ce que vous tuez ces filles alors qu'il vous suffirait simplement de supprimer la personne qui vous faisait chanter ou alors de tuer votre femme et d'hériter de ses milliards? Justement, c'est le plus grand problème de mon existence. Dina savait bien que si elle me mettait dans son testament, ça provoquerait sa disparition. Vous voulez dire que vous avez tué trois filles afin de protéger votre existence de parasite? Oui, ça peut vous sembler un peu égoïste, non? La police arrive, Love. Si j'étais vous, je jetterais mon arme avant qu'elle me réduise en morceaux. Oh, Houston. J'ai dit que j'étais un égoïste. Pas un imbécile. Thank you.
savez quoi, Houston? Je vais vous confier un petit secret. Je pourrai jamais survivre en prison. Le soleil, boire des margaritas et des tequilas avec des jolis garçons. Et personne plus que toi n'a mérité de partir pour de longues, longues vacances. Aussi, filons au plus vite hors d'ici et adieu Los Angeles. Allez, on y va. Ne réponds pas, Houston. Non, non. Juste une minute. Et Houston? Eh bien, oui, mais... Oui, oui, je comprends. CG, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Attends, laisse-moi deviner, Houston. Non, attends, je vais t'expliquer. Tu vas quand même avoir tes 15 jours de vacances au soleil avec les tequilas, les margaritas et les Casanova. Voilà, pour les bonnes nouvelles. Quant aux mauvaises nouvelles, c'est que je ne sais pas encore quand est-ce que tu vas pouvoir les prendre, car il y a cet homme d'affaires très riche qui vient de se faire arrêter pour meurtre.